Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous pouvez remarquer que dans cette vidéo, j'ai essayé de mettre un truc sympathique. Une petite ambiance qui se veut rassurante, chaleureuse. Je connais les stats de mon YouTube. Je sais que j'ai majoritairement des hommes qui regardent. Hein. D'ailleurs, les quelques femmes, je sais pas ce que vous branlez là. Vous êtes sans doute pas mal perdus sur YouTube. Hein. Et donc voilà, je pensais que ce serait un peu plus sympa si le décor et le fond étaient chaleureux et possédaient une certaine tension sexuelle. Alors, qu'on s'y trompe pas, je sais que ça peut plaire à certains d'entre vous. Par contre, le premier qui essaye de me galoche, je lui nique sa mère. Mais tu respectes sur mon nom, mais tu me spires sur mon flow. Voilà, chacun son jardin secret, chacun son intimité, et gardons les fesses, voilà, propres, et je pense que tout peut bien se passer. Donc en ce moment, je jouais pas mal, voyez-vous, à Modern Warfare, hein. Franchement, j'ai fait de la reprise de niveau, t'as même pas envie de me croiser dans un couloir, pour deux raisons. Bah la première, c'est que je suis un peu gros, j'ai un embonpoint, je suis large, donc pour passer à deux, ça risque de poser souci. Et un second, parce que je risque de t'outgun ta mère, donc franchement, je prends du plaisir, et je me suis dit, mais tiens, en ce moment, t'as pris la mauvaise habitude d'attendre un événement pour faire une vidéo gaming. C'est quand même dommage, tu vois, à part quand je retourne sur des anciens codes, tout ça, j'attends à chaque fois qu'il y ait quelque chose qui se passe pour avoir un titre et un thème. Mais au final, le but de YouTube, c'est de faire du bon contenu et de rigoler. Ah, au Black Ops 3, j'avais pas besoin qu'il y ait une nouvelle saison ou quoi pour faire des vidéos et on se marrait bien. Donc, je me suis dit, on va repartir sur cette vibe sympathique. Aujourd'hui, on va sur Modern Warfare. Je suis fort, j'ai des vannes, ça va bien se passer. C'est parti. Je suis fort, j'ai des vannes, ça va bien se passer. Le shoot a été calamiteux là, il faut pas m'en vouloir. Je n'étais pas concentré parce que je suis arrivé sur Piccadilly, les gars. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas joué sur cette horrible map, donc ne m'en voulez pas. Maintenant, on step up et on se concentre. Bon, vous allez bien les gars? Moi, ça va. Hein. Je suis d'assez bonne humeur, je joue avec cette nouvelle arme que je trouve très très cool. Sincèrement, je l'ai pas mal montée. Je prends du plaisir, c'est bon, fuck Warzone, laissez-moi tranquille avec ça. Un petit peu de OG multi en attendant de préparer Black Ops Cold War. En plus déjà, là j'ai la console qui est déjà prête. Week-end prochain, ça va faire du gameplay console à la manette. Du coup, moi j'ai une petite actu, je pense que vous l'avez vu. Je vais passer ce dimanche à l'Afterfoot. Voilà, l'Afterfoot est bien plus connu que Zach. Hein. Je pense qu'il y en a pas mal qui regardent l'Afterfoot et je vais passer pour des briefs un peu... Ouais, l'OM, hein, je passe déjà dans beaucoup d'émissions football, notamment celle de Bruce et Braque hors jeu tous les lundis, et je suis très content, tu vois. Mais sauf que, tu vois, l'Afterfoot, ça a un très grand public, et il y a beaucoup de gens de l'Afterfoot, des auditeurs qui ne me connaissent pas, et quand ils m'ont annoncé vraiment les réactions, j'étais mort de rire, vraiment. Et c'était des Jean-Jacques, alors tu connais les at Twitter avec 57 chiffres après, et ils étaient là... C'est qui, c'est le spellerin, c'est qui lui? Lui il est pas connu, il fait des vidéos gaming. Tu sens, ils étaient pas à l'aise avec le sujet. Et moi ce qui me fume, c'est que dans la vie de tous les jours, t'as pas envie qu'on te renvoie à ta profession professionnelle, tu vois, donc à ce que tu fais dans le pro, pour t'empêcher de parler de certains sujets. Alors si eux tu leur faisais, ils te diraient que tu ferais du mépris de classe. Mais eux n'hésitent pas à te le faire quand t'es créateur de contenu ou youtubeur. Nous, je nous plains pas, hein, les youtubeurs, on vit la belle vie, on est levé à midi tous les matins. Franchement, c'est génial, on a des vacances et du bif, des putes et de la coke, franchement, tout est lourd, tu vois. On n'est pas à plaindre. Mais moi, ce qui me fume, c'est que c'est cette constance pour le public de nous renvoyer à ce qu'on fait professionnellement dès qu'on essaye de parler de choses qui sortent un peu de ce qu'on fait dans notre contenu, tu vois. Donc, tu imagines... Ok, bon... Le triple kill qui est parti totalement en couille. D'ailleurs, je tiens à le dire avant de continuer ce que j'étais en train de dire. Le R700 est complètement cheaté. Hein, ça va pas plaire à la communauté sniper à deux balles. Là, vous allez marronner dans les commentaires YouTube. Je m'en bats les couilles. Le R700 est super cheaté. Il est trop puissant, trop facile. Voilà, c'est bon. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ah bah, la S-Val l'est aussi sûrement. Mais c'est chiant. Bah, par contre, il doit être fait à jouer. Hein, ça, je n'en doute pas. Ok, petite double. Super. Double à la grenade. Ça faisait longtemps. Et donc, du coup, t'imagines si quelqu'un essayait de parler de politique, de football ou d'un truc qui sort de son domaine de compétence, on va dire, mais pour lequel il s'est peut-être renseigné, parce que c'est aussi possible, tu vois. Enfin, c'est même probable, tu vois. Et si on le renvoyait? Quoi? T'es boulanger et tu parles de politique? Frère, reste à tes baguettes. Ouais, t'es mécanicien, tu parles de football, reste à tes clés de 12. Bon, je pense que si tu faisais ça dans la vraie vie à des gens, tu ferais très très vite insulter ta race et à bon escient, parce qu'il ne faut pas renvoyer les gens à ce qu'ils font dans la vie, il faut les renvoyer à la pertinence de leurs arguments, c'est... C'est, je pense, la meilleure chose à dire. Le fond, le fond, le fond. Et quand vous avez rien à dire, arrêtez d'être méprisant, bande de merde. Tiens, vous avez croisé un Jacques énervé un jour IRL et il va baisser les yeux parce qu'il sait rien faire. Je ne suis pas un bagarreur.
Franchement, je m'étais dit, ok, vas-y, Piccadilly Circus, pourquoi pas, ça fait longtemps que je n'y ai pas joué, eux, ça fait sans doute longtemps qu'ils n'ont pas vu une vidéo, un gameplay dessus. Vas-y, on va essayer, ça se trouve, elle est pas si naze, tu vois. Au début du jeu, elle était peut-être nulle, mais elle s'est peut-être améliorée avec le temps. La vie de ma mère, elle s'est pas améliorée du tout, elle est toujours aussi à chier. Hein. Wouhou ! Je vous avais dit que cette arme, elle était pas folle en long range, mais en fait, c'est pas qu'elle est pas folle en long range, elle est bien en long range, tu vois. À longue distance, elle est bien. Elle a le gland suffisant pour mettre des long shots. Le problème, c'est pas de mettre des petits long shots, c'est d'en mettre de très très longs. Donc en gros, pour le multi, elle pourra toujours te servir. C'est surtout sur Warzone, où à des moments, t'as des shots de l'espace à 150 mètres qui pourront poser souci. Hop là, petite tête! Eh, c'est trop simple le R700, je rage! Non, en fait, le mec est juste chaud. Je crois que lui, c'est un streamer devant moi, Subette TV. Vas-y, je te suis. Allez, le streamer, montre-moi la voix. Wouhou! Bon, je suis d'accord, j'ai quitté l'autre game, c'est pas cool, mais le gameplay Origin 12 là, il m'a un petit peu dégoûté! Rends-moi le drapeau! Double! Non, le trip! Je défends le drapeau, monsieur! C'est à 5, les amis! Bon, je vous ai souvent parlé de mon nouveau décor et des trucs que j'étais en train de mettre en place dedans en ce moment. Et franchement, il y a un des points que j'avais pas abordé, que je vous ai pas dit, et que je me doutais pas, tu vois. Comme quoi, même après 5 ans de YouTube, t'apprends encore, mon gars. L'enseignement est toujours présent! T'as trop de chat! L'autre il s'est termite lui-même le gogol, putain! J'allais avoir la daf! Oh, dégage-toi. Je veux la série de 3! J'arrive dans le dos des gens! L'avantage d'avoir un bon setup comme ça, tu vois, des belles choses chez toi, le petit truc et tout, ça te donne envie d'en faire plus, ça donne envie de streamer plus, ça me donne envie de faire plus de vidéos, etc. Donc franchement, c'est un aspect que j'avais sous-côté, tu vois, c'est un peu comme les trucs de ranger ton espace de travail, bien manger, se branler 3 fois par semaine, tu vois, tous ces genres de choses qui sont censées te rendre plus productif et plus efficace dans la vie de tous les jours. Je me doutais pas que, tu vois, il y avait un réel fond. Moi, j'étais un peu ghetto, tu vois, j'étais un peu destroy dans ma façon de fonctionner, dans mon setup et dans tout ce que j'ai eu. Maintenant que j'ai un truc clean, j'avoue que je ressens la différence. Notamment, par exemple, regarde, cette différence-là, celle de rester dans un coin. Ça, c'est, tu vois, une belle différence. Non, non, ça, j'ai toujours été une petite putain comme ça, c'est pas pareil. Hop là, monsieur. Tenez, on va envoyer ça. Donc là, franchement, ça me fait plaisir. Et là, normalement, vu que je suis un petit plaisantin, un petit rigolo, comme on dit. Attends. Lui, je l'ai. Non, je l'ai pas, j'ai pas... Oh, sa mère. Donc vu que je suis un petit plaisantin, un petit rigolo, je refais la pub d'une chaîne que j'avais quand même pas mal abandonnée. C'est ma chaîne replay, voilà. C'est ma chaîne replay qui est dans les top commentaires. Là, normalement, si je ne dis pas de bêtises, j'ai dû commenter pour faire un petit peu le rigolo. Genre, ouais, t'es trop beau parce que... Oh là là, ce que t'as pris! Parce que c'est moi qui la gère, encore une fois. Mais c'est pour vous dire que en ce moment, je stream tous les jours depuis plus de 2 semaines. Ça se passe super bien. On fait du FM, du Just Chatting. On va faire du Black Ops Cold War ce week-end, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller regarder la chaîne replay. J'aimerais bien la relancer, qu'elle puisse refonctionner, tout ça. Ce serait cool. On parle chiffres et gros sous, les amis! Série de 6. Un petit ADAF, ce serait clean, là. J'ai fait le mec niveau reprise de niveau. Ce serait dommage de pas sortir un ADAF, quand même. Je prends des balles perdues! Ils jouent tous au R700! J'en peux plus, ce R700, regarde! Oh, j'ai pas de chance, les gars! J'ai une target sur le front, gros! J'ai un bouton baisez-moi plus gros qu'une étudiante américaine les soirs d'Halloween! Vraiment, c'est grave, sérieux! La France ne veut pas que je réussisse! La France ne veut pas que je réussisse! C'est un pays qui n'aime pas la réussite, MDR! Moi aussi, je sais sortir des poncifs de merde! Oh là, allez, on continue. Hop, petit drone, c'est bien. I want an ADAV, j'ai dit. Hop là, série 2, 5, let's go. 6, wouhou! Je suis on, les frères. Ils savent que je suis là. Oh! Non! Je me suis concentré sur la minimap! Je suis le premier en kill, je manque de réussite. Là, on va le dire, Zach manque de réussite. Il fait des séries de 5-6, y'a pas de problème, on shred énorme. Il nous manque le petit facteur X, tu vois.
Bon, 26-7, c'est quand même, je pense, on peut le dire, dans la catégorie bon gameplay, j'ai quand même fait quelque chose de sympathique. Je suis juste un petit peu déçu, tu vois, par ce petit manque de 1 ou 2 kills, un coup de balle perdu qui ne m'était pas destiné. Ah ! Ouais, bah voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Vous pouvez le voir, hein, on a gagné le gameplay et en plus, on a passé 0 secondes avec le drapeau. C'est absolument tout ce qu'on aime dans une partie de Call of Duty. J'espère que vous avez ressenti une petite vibe sympa. J'essaierai de vous faire du coup plus de vidéos comme ça, un petit peu van, Modern Warfare, Black Ops 2, tout ça. Si vous avez un Call of Duty en particulier ou vous voulez une vidéo, mettez-les-moi dans les commentaires. Je verrai pour vous le faire en début de semaine prochaine. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.